la rue, je trouve une manette par terre. Tout d'un coup, j'ai l'esprit à l'envers, paré pour de nouvelles sections. Mais bon, pourquoi pas. En train, à pied, j'ai bien. Il y a du monde. Ça mec, giga tof. Ah merde. Oh, oh putain. Oh putain. Eh mais il est chauffard. Il y a Joe Cobb dans ta tête. Tac, tac. Yeah. Oh, c'est magnifique, c'est bon ça. Joe Cobb is down. Oula, attention. Attention. Tiens. Oh, yeah. Un poudrier en moins. Désolé pour l'arnaque, mais merci d'avoir éliminé les geckos. Maintenant, je peux aller récupérer ce stock là-haut. Après en avoir fini avec vous. Ah oui, t'es une petite crapule, toi. Crapule, crapule, pas crapule, genre. Je t'apprends, moi. Tiens. Voilà le baron. Le baron est mort. Et c'est la panne technique en direct. Non, nous allons faire un qui veut gagner des millions. Je vais lancer tout de suite le jeu dans un instant. Juste le temps que le peuple arrive. Je ferme Adobe Photoshop qui me servait il y a quelques secondes à essayer de mettre en place un masque pour l'incrustation. Je ferme tout ça et on y va. Pour du qui veut gagner des millions. Alors, on va lancer le jeu tout de suite. Who wants to be millionaire? Alors, il est où mon petit Who wants to be millionaire? Il est ici. C'est parti! Lancement en cours. Je vais me baisser un peu le micro parce qu'il est un peu en hauteur. Alors, est-ce qu'il veut bien se lancer le qui veut gagner des millions? Le jeu va pas se lancer. C'est avec un grand plaisir que je vous présente un écran noir. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Le jeu ne fonctionne plus. Le jeu ne fonctionne plus. Comment ça se fait? Alors là, qu'est-ce que... Ah, voilà. Attends, ça me l'a lancé deux fois en plus. Qui veut gagner? Max, il... Bah, Max, il a dit first, mais après... Ah, le son est très bas pour qui veut les millions. Enfin, je vais le monter un petit peu. L'image sur votre écran, l'image va-t-elle arriver? Est-ce que l'image va arriver sur votre écran? Who wants to be millionaire? Voilà, normalement lié. Magnifique! Attends, mais ma caméra, pourquoi elle est à droite, ça bug? Bon, bah, je sais pas, attends, ma cam, elle bug de ce côté-là? Bon, j'en sais rien. Bon, c'est pas encore au point, mon système de masque. Who wants to be
millionnaire. Ah, c'est peut-être parce que je suis en noir, il aime pas trop mon mode Rabbi Jacob. Est-ce qu'on se met en noir? Oh non, comme ça. Ouais, comme ça. Qui veut gagner des millions? Regardez, on se met comme ça. Bienvenue pour Qui veut gagner des millions? Fantastique, avec votre présentateur. Mon chapeau est tellement haut, il faudra que je remonte mon fond vert. Ah, peut-être que je suis mal installé, c'est comme ça, voilà. Avec votre présentateur favori. Et ces magnifiques écouteurs. Alors, qui veut gagner des millions? C'est maintenant. Nous allons essayer d'aller très loin dans le jeu. On va peut-être monter le son d'ailleurs. Parce que, à moins qu'il y ait un candidat, on verra si peut-être le Victor qui va en revenir. Voilà, ça fait du bien. Entendre cette musique de suspense sur le direct. Jouer à qui veut gagner des crotons, c'est parti. On va prendre normal avec tous les thèmes enclenchés. On peut même débloquer les thèmes franco-belges. Non, bah si, on marque, allons-y. Et voilà. Alors, qui c'est que nous prenons comme candidat pour ce soir? On va prendre Ung qui a 19 ans, profession designer. Oula, le son est un petit peu fort. On se perce un peu les tympans. Oh là là! Qui veut gagner des millions? C'est maintenant sur notre écran. Jusqu'à 1 million d'euros pour qui veut gagner des millions. Allez, on va passer à la présentation des lits. De quelle couleur sont les taxis du premier album de la série Benoît Brisefer? Ah là j'ai mis les BD, alors j'y connais rien. On va mettre jaune. Réponse A? Allez, c'est parti pour la A. Et c'est le moment de se remettre en question car je vous le demande. C'est votre dernier mot? Et c'était pas jaune. C'est mon dernier mot. Très bien. Découvrons ensemble les taxis la bonne réponse. Et c'est bleu. Mais voilà. La question n'était pas facile. Oui, pour rentrer chez vous. Et elle vous aura été fatale. 0 euros. Ah bah je vais pas mettre malheureusement la mauvaise réponse. Je connais rien du tout. Merci. Merci pour ce live Twitch. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à la prochaine. À la prochaine. C'était sympa. Bon. Quel enfer. On va enlever les BD. On va enlever peut-être la géo. On va essayer comme ça. Bon, on recommence après ce fiasco. Et nous avons le simili. Comment ça va le simili? J'ai perdu dès le début 0 euros. À Marseille, après une victoire de l'OM, les supporters défilent souvent le long de la Canebière, de la Zidanière, de la Peuchère, de la Camille Combalière. La Canebière. Réponse A? Allez, c'est parti pour la A. Mettons-nous d'accord. Ça va. C'est votre dernier mot? J'ai vu ça, c'est une nouvelle version. Ouais. Oui, c'est mon dernier mot. Oh là là, quel suspense! La Canebière, ça passe. Une toute nouvelle question. Le héros de bande dessinée Lucky Luke est l'homme qui tire plus vite que son ombre, bien entendu. Alors, plus vite que son ombre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Salut tout le monde, ça va bien, Lématique, t'as perdu en une seconde. Eh ouais. Et on y va pour la C. Allez! Allez, on y va pour la C! Vous semblez être convaincu de votre réponse, mais... Notre candidat du jour, mon cher Fred, il a 19 c'est ans. C'est mon dernier mot. Vous avez fait votre choix. Il est énergique sur sa chaise. Et voilà, une bonne réponse pour vous. Non mais il y a vous. Tout de suite notre dernier mot au début. Waouh! Là, je suis génial, hein. Je suis génial, mon gars. Je pense qu'on est génial. Tous d'accord pour dire que l'on peut passer à cette nouvelle question. À l'Italia?
Des compagnies italiennes, suédoises, portugaises ou françaises? À l'Italie, il y a une compagnie aérienne. Mais c'est, je crois que c'est italienne. Non, non, mais c'est sûr. C'est la réponse A. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Bah, t'as vu le dialogue? Ah, mais c'est sûr, mon cher ami. Vous savez désormais quelle sera ma prochaine question. C'est votre dernier mot? C'est votre dernier mot? Oui, oui, parce que j'en suis sûr. C'est mon dernier mot. Le choix est fait. Il est temps de découvrir la bonne réponse. Ah ouais. C'est un nom très spécial. Vous avez pris des risques, mon cher Fred. Et ces risques ont payé. Les initiés reconnaîtront pourquoi il y a ce nom. Allez, bien joué. Encore une bonne réponse pour moi. Cette nouvelle question ne devrait pas vous donner de fil à retordre. Quand on conjugue le verbe avoir à l'impératif, on ne dit jamais aïe. Aïe. Ayon, Aya Nakamura. Un impératif. On ne dit jamais. Ah, on ne dit jamais. Bon, je suis en train de chercher. On ne dit jamais. Vous n'attendez que cela, que je vous pose la question fatidique. Je lis mal les questions. Alors allons-y. C'est votre dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Très bien. Découvrons ensemble la bonne réponse. Quelle audace! Ouais! Et cela paye, puisque c'est la bonne réponse. Et un point de plus pour Bibi. Et un point pour Bibi. Il est temps de passer à une nouvelle question. Nouvelle question. Quel nom donne-t-on à l'escrime japonaise qui se pratique avec des sabres de bambou? C'est pas l'aïkido? Merde. Aïkido ou le kendo? Je vais dire l'aïkido. Ah ouais, non, non, réponse B, sans hésitation. Là. Vas-y. Et c'est le moment de se remettre en question, car je vous le demande. Ah, j'ai perdu. C'est Merde. Votre dernier mot? Oui, c'est bon, mon dernier mot. Bon, bah j'ai perdu. Putain, j'ai c'est hésité. C'est votre dernier mot, mais est-ce la bonne réponse? Non. La question n'était pas facile. Non. Et elle vous aura été fatale. C'est malheureusement la mauvaise réponse. Eh ben dis donc, 0 plus 0 plus 0. Hein. J'arrive même pas au premier palier. C'est parce qu'il a dit... On va prendre une coiffeuse, c'est mieux. Ça commence bien. Aikido, Kendo... On est une personne qui tombe tout le temps amoureuse, qu'elle a un cœur. Bah, tout le temps amoureuse, pas forcément cœur d'artichaut. Est-ce que c'est votre dernier mot? Où vous partez? Je suis une personne sensible. À mon plus grand regret. Où vous restez? Pour ma plus grande satisfaction. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle? Dans quel pays donne-t-on le flamenco? Espagne. Je dirais sans hésiter la réponse C. Vous n'attendez que cela. Que je vous pose la question fatidique. Bonne réponse. Je passe. Oh, je m'épate moi-même. Et une bonne réponse de plus. Je m'épate moi-même. Et c'est parti pour une toute nouvelle question. Quel nom donne-t-on aux premières dents d'un enfant? Les dents de biscuit, les dents de purée, les dents de lait et les dents d'œufs à la coque. Je pense que je sais, mais... Oui. Si, je vais suivre mon instinct. Je pense que je sais. La bonne réponse est la réponse C. Et voilà, une bonne réponse pour vous. Et c'est bon. Et voilà, c'est encore une bonne réponse. Oh, je m'épate moi-même. Je m'épate moi-même. Il est temps de passer à une nouvelle question. En 2018 au cinéma, quelle célèbre famille mangeait des frites? Oula. Je sais rien, moi. Je veux dire les tuches. Ça me paraît tellement bête. Les tuches. C'est la réponse C, j'en suis certaine. Je me dois de vous demander. Qu'on a pas ça en vrai à la télé. C'est votre dernier mot? Est-ce que c'est les tuches? C'est mon dernier mot. Vous avez fait votre choix. Est-ce que c'était les tuches? Et oui.
Une bonne réponse. Les tuches. Il n'y a pas de fatigue qui soit, on y va. Ah, il n'y a pas de fatigue qui soit. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'on peut passer à cette nouvelle question. Laquelle de ces propositions ne désigne pas un régime politique ? Le régime présidentiel, le régime parlementaire, le régime républicain ? Oh oui ! Ah, c'est drôle, monsieur, c'est drôle ! Oh, je me marre, dis donc ! Ah bah, elle est bonne, hein ! Ah bah, dis donc ! Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot. Oh là là, quel suspense ! Et c'est un nouveau palier de franchi, bravo ! 1000 euros ! 1000 euros ! J'ai même pas encore gagné le SMIC. Ah oui, y a pas de fatigue qui soit, c'était Moundir. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle question ? Je crois. Quels sont les deux signes qui forment les lettres et les chiffres du Morse ? Points et traits. Les points et les traits. Et je suis sûr de moi. Et je dirais sans hésiter la réponse. Sans hésiter ? Non, attends, j'ai mis C ! Ouf. Il fallait faire un choix, et vous l'avez fait. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean. C'est mon dernier mot. Jean-Pierre. Le moment est venu. Quelle sera la bonne réponse ? Prenez un minimum de risque. Sarah, ah. Ouais. Vous en prenez, c'est ça qui est important. C'est une bonne réponse, bravo. Merci. Vous n'êtes clairement pas prêt pour ce qui va suivre. Ah ouais, vous n'êtes pas prêt. Hein. Il lui met un vent, il y aurait pour même pas. Concentrez-vous. Voici une nouvelle question pour vous. Nouvelle question. Comment appelle-t-on communément l'Organisation internationale de police criminelle ? Interpol. C'est pas ça ? Ou Scotland Yard ? Oh, je vais dire Interpol. Interpol, go ! La bonne réponse est la réponse. Je vais direct à l'intuition. C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part. Voilà. Ouais ! Bravo ! Sur celle-là, j'ai eu chaud. Victor qui veut passons retenter désormais à la prochaine mignon. Question, si vous le voulez bien. Comment s'appelle le gentil-héros du roman ? Ah, je l'ai pas vu, Orange Mécanique, zut. Je vais utiliser un joker, Jean-Pierre. Je vais appeler un ami. Allô ? Appelons votre ami, en espérant obtenir la bonne réponse à cette On question va appeler, qui vous met dans l'embarras. Un fan de ciné, un frère, Marco. Marco, peut-être qu'il est. Ou Alfred. Marco ou Alfred. Marco, Orange Mécanique. Ou Tom. Allez, j'appelle Alfred. Je n'ai pas confiance en Marco. Allô ? Allô ? Oula ! C'est qui à l'appareil ? Oh merde, allô, c'est mal Alfred, barré. Super. J'ai bien fait de vous choisir comme ami pour qui veut gagner des millions. Cette question est vraiment pour vous. Ah, bon, d'accord. Mais on peut pas être si sèche, hein. Eh, tu sais bien que t'as tendance à me croire bien plus intelligent que je le suis, Nadia. Eh bien, je suis ravi de pouvoir affirmer que la bonne réponse est la réponse A. T'es sûr ? Mais t'es sûr ? Mais réponds ! Bon, vas-y. Je le suis. Je sens que c'est là. J'en suis sûr même. Je lui fais confiance. Et c'est le moment de se remettre en question car. Si je c'est vous pas le demande, ça, il dégage de ma liste d'amis. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Très bien. Découvrons ensemble oh la bonne réponse. Quelle audace. Oui, Alfred ! Parce que c'est la bonne réponse. Il n'y a pas de fatigue qui soit, on y va. Il n'y a pas de fatigue qui soit, wesh. Wesh, les mecs. Il n'y a pas de fatigue qui soit. La partie se corse dès maintenant, avec cette toute nouvelle question. Pourquoi les puces nous piquent-elles ? Pour prendre du sang ? Pour se nourrir ? J'y vais sans joker. Et je dirais sans hésiter la réponse C.
prennent du sang. C'est donc votre dernier mot. Elles veulent du sang, donc c'est pour se nourrir, c'est tout. Et voilà ! Et voilà, maestro ! C'est ça qui est important. C'est une bonne réponse, bravo ! Vous n'êtes clairement pas prêt pour ce qui va suivre. 12 000 euros. Vous êtes prêt à braver les pièges de cette prochaine question ? Bonne chance à vous. Ah merde, je connais pas la mythologie égyptienne. C'est pas Anubis ? Ah non, roi des enfers. Roi des enfers. Ah, je vais switch. Le roi des enfers. Ra, c'est le soleil. Osiris. Horus, c'était celui du vent. Je me demande si c'est pas Isis. Et j'aurais dit Isis. C'est l'heure d'utiliser le switch et de changer totalement de question. Moi, j'aurais dit Isis. Oh, ok, j'ai de la chance. Osiris, ah GG. GG le Smili. Passons désormais à la prochaine question, si vous le voulez bien. Le duo Béatrice Dalle et Joey Star était sur scène dans une adaptation théâtrale. Oula! Je sais pas. Oh merde, j'ai pas beaucoup de temps. Public. Tant pis. Public, à vos boîtiers. C'est maintenant qu'il faut voter. Délévedin, je me disais en plus, Elephant Man, ça aurait été bien. Zut. Il faut faire un choix. Et ce choix, éviter le ce Joker. Sera la réponse D. En tentant... Est-ce que c'est votre dernier mot? La A. La A. Ah bah, je sais pas, je suis le public. Mot. Oh non. Le suspense est intenable. Un nouveau palier de franchise. Oh, il dit n'importe quoi, merci. Vous ne repartirez pas les poches. C'est, je sais plus si j'ai salué Foo Fighter. On a peut-être dit, mais que ces problèmes ne peuvent pas porter de l'heptathlon. Heptathlon. De 200 mètres, ça me paraît bizarre. Je vais prendre un 50-50. Ordinateur, retirez donc deux mauvaises réponses pour nous aider à répondre à cette question. Ah là là, le 200 mètres, vas-y, 200 mètres, c'est trop court, le 200 mètres, c'est n'importe quoi. En avant pour la réponse D. Vas-y. Il ah, c'était 1500. Ah oh, merde. Et vous l'avez fait. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Vous avez dit votre dernier mot, c'est le moment de découvrir la bonne réponse. Pour vous, tout s'arrête ici, car ce n'est pas la bonne réponse. Désolé. Franchement, je me suis bien amusé. C'est le principal. Vous avez joué avec le feu, et vous vous êtes brûlé. J'ai pas joué avec le feu du tout, hein. J'étais au palier mais de 20 000. Vous ne repartirez pas les mains vides. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il me raconte n'importe quoi. Smilly sur Wikipédia. C'est ça. On va essayer sans... On va prendre que des questions de divertissement. Quoi. On va tenter qu'avec du divertissement. Ah merde, il faut 4 packs. Divertissement, sport... Lifestyle. Lifestyle. Science, vas-y. Mais histoire géo. Ah merde. J'ai pas vu ton message. Non, y'a rien. J'avais testé. Non, j'aime pas les jeux flash. Tout moche comme ça. Je suis cruel! Pour donner quelqu'un à zéro, on peut tirer à la courte paille! Bonne réponse. Je pense que. En mer, le turbo est un poisson pané! Un poisson. Ma plat. Allez, c'est bon. J'ai choisi. Bon.
et je dis la réponse D. Vous avez pris des risques. Oui. Quel est le milieu naturel du maquereau? L'océan Atlantique. C'est la réponse C, j'en suis certaine. Le trottoir, j'aime bien. Je ne m'y attendais pas, mais c'est effectivement la bonne réponse. Félicitations. Voici une... L'ordination de ton doigt sur sa coque. Briser une bouteille. Et je vais dire la réponse A, évidemment. Et bonne réponse, oui. Bonne... L'histoire de pleine lune, notre société d'intérêt ressemble à un... Hein? Un CCDI? Je sens... Non, de pleine lune, merde! J'en suis sûr même. Un palier vient donc... Ah, j'ai vu me faire avoir. Bravo. Ça y est, on passe au sérieux maintenant. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'on peut passer à cette nouvelle question. Dans le refrain Luxor, j'adore. Philippe Catherine chante, j'adore regarder. Passer les... Danser les gens, voilà. Danser les gens. Tomber les glands. La bonne réponse est la réponse C. Bonne réponse, bravo. Je m'épate moi-même. Et une bonne réponse de plus, une. Regardez danser les gens. Ah, je trouve ça fascinant. La partie fascinant. Est bien lancée, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. De quel sportif la fille est-elle devenue Voici championne du monde dans le même question. Sort que lui? What the fuck? Alors là, j'en sais rien du tout. Quelqu'un a-t-il une idée? On va, sinon, on va switcher. Je dirais la A. C'est la réponse A, j'en suis certaine. Je suis. Je me dois de vous le demander. Le Victor. C'est votre dernier mot? Ce sera mon dernier mot. Le choix est fait. Je me cache. Yeah. Oh! Et cela paye, puisque c'est la bonne le réponse. Le GG du Victor. Vous n'êtes clairement pas prêt pour ce qui va suivre. Victor qui GG avec Mohamed Ali. La partie se corse dès maintenant, avec cette toute nouvelle question. Un tissu toile de Jouy. Je sais pas du tout. Appelons quelqu'un. Votre ami, en espérant obtenir la bonne réponse à cette question qui vous met dans l'embarras. Il faut... Je vais appeler la tante, voilà, je vais appeler Anne. Anne! Peut-être qu'elle sait ce que c'est, une toile Allô, de Jouy. Qui est à l'appareil? Oula. Bonsoir, c'est vous êtes en direct dans Qui veut gagner des millions? D'accord, vous me mettez un peu la pression là, mais je vais faire de mon mieux. Eh bien, ça tombe très bien puisque je connais la réponse. C'est la C. Ah, merci Anne. Des scènes champêtres. C'est la réponse C, j'en suis certaine. Et c'est la bonne réponse. Oh, je m'épate moi-même. Et une bonne réponse de plus, une. Les questions se suivent et ne se ressemblent pas. Sur votre clavier d'ordinateur, les deux lettres marquées d'un petit trait en relief. D'un petit trait en relief, hein? Les deux lettres marquées d'un petit trait en relief. What the fuck? D'un petit trait en relief? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ah, c'est F et J. Ah ouais, mais c'est la tricherie! J'ai triché! Comment j'ai triché? J'ai triché. Et pourquoi d'ailleurs il y a un petit truc en relief sur F et J? C'est pour les non-voyants peut-être? Les non-voyants qui tapent au clavier. Je sais pas. Ah, évidemment. C'est finalement la question c'est que vous pour les non-voyants qui connaissent le clavier par cœur pour repérer le milieu. Quand ils n'ont pas de clavier en braille. C'est votre dernier mot, mais est-ce la bonne réponse?
Et voici une nouvelle question qui, je l'espère, ne va pas vous poser de soucis. En Asie, l'animal appelé pétoriste. Je ne sais pas du tout. Pétoriste. Oh, je vais voir un switch. Cette question ne vous inspire pas. Ça tombe bien, le joker de Switch est exactement là pour ça. Changeons de question. C'est au pif, t'avais bon. J'espère que vous êtes remis de vos émotions, car voici votre nouvelle question. Alors, pendant le festival de Cannes, la Palme d'Or décernée au meilleur chien dans un film est une laisse, un collier, c'est pas un ours ? Un ours ou un collier ? Est-ce que vous connaissez sur le chat ? Putain, j'ai pu voir le temps ! Vas-y, je prends la réponse B. Putain, je suis sûr que c'était un ours. Il fallait faire un choix, et vous l'avez fait. C'est votre dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot. Horrible. Très bien. Découvrons ensemble la bonne réponse. C'était un ours. Non. Quand vous jouez voilà, un nouveau palier oh, de France. La surprise, oh là 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 là. Oh là là. Réussirez-vous à répondre aussi bien à cette nouvelle question ? Allez, on est encore en liste. Quel prénom féminin désigne une variété de pommes de terre ? C'est... Non, c'est pas Valériane, c'est une plante. Peut-être la Hélène ? Ou la, non, la Amandine, ça me dit quelque chose, la Amandine. Je dirais la Amandine, moi. Vas-y, je pars sur 50-50. La Amandine, tu crois aussi, toi ? Vas-y, on va suivre Maxime. Êtes-vous sûr que c'est votre dernier mot ? Ouais ! Ma Amandine ! Amandine ! Vous n'êtes clairement pas prêt pour ce qui va suivre. Passons désormais à la prochaine question, si vous le voulez bien. Le vélocipède était l'ancêtre du vélociraptor. Quoi ? C'est un piège. Tête de la voiture. Le vélocipède. Du vélo ? Attends, non, ça fait peur, ça. Vélo... J'ai bien envie d'appeler le public, moi. Vas-y, public. Public, ne votez que si vous connaissez la bonne réponse. Ne ça me paraît trop simple, le B. Voilà, dirigeable. Vous avez choisi d'utiliser le 50-50. Nous allons retirer deux mauvaises réponses. Ah bon, moi, je vais aussi sur le vélo, alors. La bonne réponse est la réponse B. Et quelle ? Et cela paye, puisque c'est la bonne réponse. Putain, c'était aussi simple que ça ? Il n'y a pas de fatigue qui soit, on y va. Nul. La réponse à cette nouvelle question n'attend désormais plus que vous pour être trouvée avec brio. C'était aussi simple que ce truc-là, quoi. Un calpélisome portait-il traditionnellement des sporanes attachés à leur bras, à leur bas ? Ils avaient des bas ?
Je vais dire Danemark ou Écosse. D. Ah bah tiens, c'est pareil, B ou D. D. Bon allez, on va suivre D. En avant pour la réponse D. Et ce sera votre dernier mot. Et voilà, bonne réponse pour vous. Félicitations. Oh la vache. Oh, je m'épate moi-même. Et une bonne réponse de plus. Une. On arrête de travailler la maintenant. La partie se corse dès maintenant. Avec cette toute nouvelle question. Quand on parle de Macédoine de légumes, comment sont préparés les légumes? Bah, ils sont coupés en dés. Ils sont coupés en dés, normalement, en Macédoine. Moi, je pars sur coupé en dés. Ouais, moi, c'est une question piège. Bon, vas-y, je sens que c'est là. J'en suis sûr même. Cette phrase est mythique. Prenez un minimum de risque. Mais vous en prenez. C'est ça qui est important. C'est une bonne réponse. Bravo. Il n'y a pas de fatigue qui soit. On y va. Non, mais elle a deux phrases à son registre. Il n'y a pas de fatigue qui soit. Y a pas... Oh, c'est la dernière question. Oh non, j'aurais gardé les jokers. On avait gagné. Les questions se suivent et ne se ressemblent pas. La preuve avec cette nouvelle question. Quelle émission est une adaptation de l'émission britannique Spitting Image? C'est quoi ça, merci Bernard? What the fuck? Mais ça existe même plus en plus, ça, le petit journal et tout là. Spitting Image, c'est quoi Spitting? C'est trop facile là, là. Vous voyez le petit journal? Ça n'existe même plus en plus. Mettons-nous d'accord. Pour mais vous, non! Tout s'arrête ici car ce n'est pas la bonne réponse. Désolé. Oh, ben, pour le million, on repassera. Ah non, et mais attendez! Moi j'ai lu A. En fait, je suis trop remonté dans le chat. Je suis remonté sur le chat jusqu'à A. Oh là là là. Tant pis. Je suis remonté trop sur le chat, j'ai lu A. Oh, dommage. Le million. Quel est l'interprète du tube Libertine, Victor? Je choisis la réponse B. Vous avez pris des risques. Et ces risques ont payé. C'est une bonne... Faites-vous confiance. Ah oui, mais un histoire géo, et... bah tant pis. Juste un rêve. Réponse B. Et tant pis si j'ai tort. Je ne m'y attendais pas. Je crois que c'est la réponse B. Sur la même créature avec Jonas. Attendez, je réfléchis. Rien, moi. Et je dis la réponse B. Je sais rien, moi. Oui, c'est un poisson. C'est la mauvaise réponse. Oh là là. Non, mais il n'y a pas de dragon dans la Bible. Attends, j'ai 780. Tiens, je vais mettre les BD franco-belges, je vais marrer. Allez, il faut choisir. Je vais dire la réponse D. Prenez un mini.
Bonne chance à vous pour cette nouvelle. Dans Boule et Bill, de quelle couleur sont les cheveux de Boule? Ils sont pas roux. Brun, vas-y. Je choisis la réponse A. Mais non, et c'était roux, je me disais bien. C'est perdu pour. Je me disais, c'est un piège roux. Retire les BD. Non, je vais le laisser pour faire chier. Un pour tous, tous pourris. Eh bien, je vais tenter la réponse A. Quelle audace. Je choisis la réponse A. Où vous partez? What? Est impair. La réponse A me semble très convenable. Voilà, on speed. Et c'est la... Comment s'appelle le créateur des jardins à la française? Eh bien, je vais tenter la réponse A. Et c'est une très bonne... Bonne chance à vous pour cette... À Pékin, on peut dire le palais des empereurs, appelé la cité interdite, la cité du 9-3. Alors, cool. On va dire la D. Vous avez pris votre... Ouh, et vous avez... Nouvelle question en approche. Bonne chance à vous. Le Taj Mahal. Elle a été construite avec du bois. Moi, je dirais du marbre. Ou de l'argile. Ah. Ah. Moi, je dis du marbre. Que dites-vous? Du marbre également, du marbre. Vous n'attendez que cela. Vous m'avez semblé... Et c'est une bonne réponse. C'est bien joué, bonne réponse. J'ai la pêche, physique et mentale, la preuve. La partie se corse dès maintenant, avec cette toute nouvelle question. La France, combien de mois de l'année commence toujours par un jour férié? Alors là, je sais pas du tout. Je vais dire 2. Ouais, 1er mai, 1er janvier, ouais, j'aurais mis 2. Je choisis la réponse A. Et c'est le moment de se remettre en question, car je vous le demande. C'est votre dernier mot? Ce sera mon dernier mot. C'est votre dernier mot, mais est-ce la bonne réponse? Salut, Ray Villo. Mais non, c'est 3, mais Miniman, on s'est trompé. Eh bien voilà, la vieille bique a encore fait des siennes. La partie est terminée. Mais vous repartez tout de même avec une belle somme. Il n'y a pas le 1er novembre ? Je ne sais plus. Le 1er décembre ? Je sais même plus. Ah, je vous ai dit un 1er novembre. J'y pensais en plus. La haine. Bon, on passe les premières questions faciles. Qui c'est qui aime manger les chats? C'est sans doute la C. Bonne réponse, bravo. Ça c'est quoi? Alf, mais c'est fou, ça. Ressources, la Margaret, hein, vous ce voyez jeu-là, il est à 34 sur Steam. Votre nouvelle question est prête.
Bonne chance. Dans lequel de ces jeux de cartes les joueurs doivent-ils fuir 21? Bah c'est le Blackjack, non? La C me paraît bien. Allez, réponse C. Alf, mais Alf, c'est tellement vieux. C'est votre dernier mot? Ce sera mon dernier mot. Bonne réponse, oui. Qui connaît Et Alf? Hop, une réponse de plus. Ha ha. Il est temps de passer à une nouvelle question. Complétez le titre de ce livre et film célèbre, le faucon grec, le faucon maltais, le faucon croate, le faucon serbe. C'est quoi cette faucon? Je sais même plus ça. Hein. Putain, je sais, le faucon maltais. Si je sais mettre ça. Réponse B. Et tant pis. C'est quoi ça? Mettons-nous livre d'accord. Et film célèbre, le faucon. C'est votre dernier mot? C'est... Et c'est maltais. La bonne réponse. Cette question-là a failli me rendre chèvre, dites-moi. Bonne chance à vous pour cette nouvelle question. Oh, on a déjà eu cette question tout à l'heure. On mange des frites. Des tuches. J'ai bien réfléchi et je vais dire réponse C. Vous semblez être convaincu de votre... Vous m'avez semblé hésiter. Les tuches, les frites, c'est bien les joué. Frites. Bonne réponse. Et hop, une réponse de plus. Et hop. Notre équipe de rédacteurs vous propose une nouvelle question. Qui détient aujourd'hui le record de 6 ballons d'or? Oh bon, mais si, mais non, mais vraiment. Mais je te jure. Je crois que c'est la réponse D. À moins que... Oula. Elle dit, je crois que c'est la réponse D. Je choisis la réponse A. C'est donc votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Très bien. L'ordinateur a validé votre réponse. Eh bien voilà, un palier est à vous. Bien joué. La blagueuse. Et nous avons le Reg. Bonsoir. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle question? Dans quelle série télé Michael Youn incarne-t-il un touchant père de famille? Je sais pas du tout. Les rubans jaunes peut-être. B. Les bracelets rouges. Est-ce que c'est votre dernier mot, Révilob? Je sais pas. Oui. Ok. Je choisis la réponse B. On va suivre sa Est-ce réponse. Est-ce que c'est votre dernier mot? Est-ce que c'est votre dernier Ce mot? Ce sera mon dernier mot. Vous avez fait votre choix. Bonne réponse, bravo. Bonne réponse. Cette question-là a failli me rendre chèvre, dites-moi. 2000 euros. Une nouvelle question va vous être proposée. Comment appelle-t-on l'image ou le motif réalisé de petits morceaux de pierre ou de verre de couleur? Bah, mosaïque, ouais, c'est une mosaïque. C'est une mosaïque. Attendez, il faut que je la relise depuis le début. Attendez, il faut que je la relise depuis le début, excusez-moi, monsieur. Mosaïque, icône. La réponse A me semble très convenable. C'est très convenable, oui. Cette phrase est mythique, mais elle peut aussi devenir tragique. Est-ce que c'est votre dernier mot? Triptyque, c'est pas un... Oui, c'est mon dernier mot. Ah, je sais même plus. Le choix est fait. Chose. Il est temps de c'est découvrir la bonne réponse. Du texte. Et c'est la bonne réponse. Non, mais là, franchement, faut pas me faire ce genre de frayeur, hein? Triptyque. La réponse à cette nouvelle question n'attend désormais plus que vous. Œuvre musicale ou littéraire. Œuvre peinte ou sculptée principalement faite de trois panneaux jointifs latéralement. Quel composé de gaz utilisé dans les bombes aérosols sera plus nocif pour la couche d'ozone? Ah merde, je sais plus. C'est pas les RER. Les
Les CFC, nous dit Reg. On va suivre l'ingénieur. Le technicien. Je te suis, Reg, en tant que alors on technicien. Va dire la... Il fallait faire un choix, et vous l'avez fait. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Vous avez fait votre choix. Et contre toute attente, c'est la bonne réponse. Cette question-là a failli me rendre chèvre, dites-moi. Elle a failli me rendre chèvre, écoutez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Reg, il est sur Google, là. Et voici une nouvelle question qui, je l'espère, ne va pas vous poser de soucis. Quel single de Stromae est illustré par cette pochette ? Oula, je sais pas du tout. Alors là ? Alors là, je sèche. Est-ce qu'on prend un joker ? Quelqu'un a-t-il une idée ? Mais quelle pochette ? Vas-y, on switch. Tant pis. C'est l'heure d'utiliser le switch et de changer. Moi, j'aurais mis Papa Outé. Allez, à l'arrache. Non ! Bien sûr, ça passe. Concentrez-vous, voici une nouvelle question pour vous. Jean-Paul Gaultier présentait son dernier, comment était-il habillé ? Putain, j'en sais rien du tout, moi. Jean-Paul Gaultier était comment ? En kilt peut-être ? Ah, attends, je me demande s'il n'était pas en kilt, en... Ah ! En robe de mariée ? Vas-y, 50-50. Vous avez choisi d'utiliser le 50-50. Nous allons retirer deux mauvaises réponses. Bon, vas-y, on va mettre ta robe de mariée, mais je sais pas, je le sens pas. C'est la D. Je le sens pas. Ah là 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 là. Ce n'est pas la bonne réponse à cette question. Oh, cela aurait pu être pire tout de même. Bon, ça aurait pu être mieux aussi. C'était un si beau démarrage. C'est déjà fait mieux. Bah non, on a failli le passer tout à l'heure. Mais... Il n'a pas écouté. Le live est coupé, c'est si raconte. Pas coupé là. Toujours raconter des conneries, Victor. Passer tant d'années. Oh, allez. La réponse à cette question. Alors, mais la putain. Réponse c'est. Eh mais il chauffe allez, pas. La réponse c'est. Il y a Jacob dans mais ta non, tête. Mais non, mais dis la reine. Yeah. Oh, c'est magnifique, c'est bon ça. Oui, c'est Jacob, il est merde. Le choix est fait. Attention.
Le tien. Un coup d'œil en moins. Désolé pour l'arnaque, mais merci d'avoir éliminé les déco. Je ne devrais pas vous donner ce stock là-haut. Après en avoir fini avec vous. Ah oui, tu me dis crapure, toi. Crapule, crapule, pas crapule. Il t'apprend, moi. Ah ouais, attends, c'est normal, ouais, d'accord. Ouais. Tiens. Attends. Ah, là, c'est mes ouais. Génériques qui se mettent en route. C'est un rond et mort. Allons-y pour la réponse A. J'ai appuyé sur mon clavier numérique. Ce sera mon dernier mot. C'est votre dernier mot, mais... C'est mes raccourcis, est-ce en fait. Bonne réponse. Yeah. C'est honteux. C'est voilà, c'est honteux. C'est honteux. Vous voyez, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs candidats. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle question? Dans son travail, un berger étrangement s'occupe d'emmener les troupeaux de moutons. Je vais choisir la réponse A. Vous semblez être convaincu. Bah oui, bien sûr, évidemment, c'est la bonne réponse. Si avec ça, je suis pas là. Quel emporte le ragoût épicé qui fait la réputation de la cuisine antillaise? Bah, le colombo de poulet. Je vais dire la réponse A. Et contre toute attente, c'est la bonne réponse. Vous voyez, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs candidats. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs candidats. Bonne chance à vous pour cette nouvelle question. Dans Mon Europe, l'argent perdu par les candidats partait en fumée, était donné aux impôts, réclamait sa maman, tombait dans les trappes. C'est la D. Je pense c'est la je D. La réponse D. Je choisis la D. Mettons-nous d'accord. Ça monte, ça monte bien. Bravo. Je choisis la réponse D. Continuez, Coloritano de Candy Girac. Oh non. Gitano, le cœur qui bat sous ma peau. T'as joué, sais rien. Qui c'est qui connaît Kenji Girac? Non, j'en sais pas, moi. Vas-y, j'appelle le public. J'appelle quelqu'un. Ah, sous ma peau. Vas-y, sous ma peau.